m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi. Tu me donnes une nouvelle vie. Oui, sauvé. Tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi. Tu me donnes une nouvelle vie. Oui, sauvé. Tu m'as sauvé. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre séance d'études bibliques approfondies et nous continuons avec la série d'études sur le livre de l'Apocalypse. Avant d'aller plus loin, je voudrais que vous priez avec moi, que nous nous recommandions au Saint-Esprit qui a reçu mandat de nous conduire dans toute la vérité. Prions. Seigneur, merci pour l'opportunité que nous avons ce soir encore de plonger nos regards dans la loi parfaite, dans ta parole. Laisse qu'elle soit une bénédiction pour nous. Laisse qu'elle fasse tomber les écailles de nos yeux. Saint-Esprit, nous nous soumettons humblement et volontairement à ton ministère. Illumine les yeux de nos cœurs, édifie-nous, enseigne-nous et instruis-nous. Au nom de Jésus-Christ, que tous ceux et celles qui sont connectés présentement soient abondamment enrichis par ta parole, que ceux et celles qui, pour des raisons quelconques, vont suivre cet enseignement plus tard, qu'il soit aussi édifié, qu'il soit aussi instruit. Projette ta lumière, Seigneur, sur ta parole et que chacun reçoive de toi la révélation, la portion de révélation que tu destines à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons abordé depuis la semaine passée la deuxième section du livre de l'Apocalypse qui est structurée ou répartie en trois sections. Donc, on a la section des choses vues, la section des choses qui sont et la section des choses qui doivent arriver bientôt. Les choses vues sont couvertes par le chapitre 1. Les choses qui sont ou les choses présentes sont couvertes par les chapitres 2 et 3. Et les choses qui doivent arriver bientôt sont couverts, encadrés par les chapitres 4, 5, 6, 7, jusqu'au chapitre 22. Nous avons, dans le cadre de ces séances de mercredi, commencé à étudier, à analyser la deuxième section, c'est-à-dire les choses qui sont. Et je rappelle que les choses qui sont, sont en rapport avec l'histoire prophétique, ou si vous voulez, le déroulé de l'histoire prophétique de l'Église de Jésus-Christ, de sa fondation à son enlèvement. Pour nous préparer à mieux cerner la révélation concernant l'histoire prophétique, je me suis permis
dans l'étude précédente d'expliquer les raisons du choix des sept églises et puis les quatre niveaux d'application. Ce soir, les quatre niveaux d'application qu'on peut faire des lettres adressées aux sept églises. Ce soir, je voudrais partager avec vous grands points. Les deux grands points concernent l'interprétation. Le premier point porte sur les méthodes d'interprétation du livre de l'Apocalypse, telles que connues dans l'histoire, au sein de l'Église, au sein de l'Église. Et le deuxième point pour ce soir porte sur toujours l'interprétation, mais de façon spécifique, sur l'interprétation relative au millénium. Vous allez voir la différence entre les courants d'interprétation du livre de l'Apocalypse ou les méthodes d'interprétation du livre de l'Apocalypse et les courants ou les différentes interprétations articulées autour du millénium. Articulées autour du millénium. Je me plais à expliquer ces choses parce que ça participe à notre édification. Ça nous aide. Ça nous aide. Et puis aussi, ça nous prémunit. Ça nous prémunit contre les fausses doctrines, contre les fausses opinions, contre les fausses interprétations. Alors, premièrement donc, les méthodes d'interprétation du livre de l'Apocalypse. Fondamentalement, nous pouvons retenir quatre méthodes d'interprétation. Certaines sont dans l'oubliette aujourd'hui, mais n'empêche que même dans l'oubliette, elles continuent d'influencer certaines approches de l'étude du livre de l'Apocalypse. Et c'est important que nous puissions comprendre ces choses afin d'apprécier la grâce que Dieu nous fait d'entendre ce que nous sommes en train d'entendre. Donc, passons brièvement en revue les quatre méthodes d'interprétation. Donc, à vos cahiers de notes, pour vous qui me suivez présentement. La première méthode d'interprétation qui a gouverné l'approche de certains lecteurs et exégètes de la Bible, c'est la méthode idéaliste. La méthode idéaliste. La méthode idéaliste considère le livre de l'Apocalypse comme une allégorie où les puissances du mal affrontent celles du bien. Du point de vue des adeptes de cette méthode idéaliste, tout dans le livre de l'Apocalypse est symbolique et mystérieux. Certes, il y a beaucoup de symboles dans le livre de l'Apocalypse, mais ceux qui adoptent la posture idéaliste dans leur analyse du livre de l'Apocalypse poussent très loin
le symbolisme qui s'y trouve au point d'exagérer. Et donc, cette façon de faire empêche de prendre ce qui est littéral comme tel. Et les déviations sont ne peuvent pas être évitées quand c'est comme ça. On dévie facilement. Parce que, par exemple, quand le Seigneur parle de la colère de l'agneau, bon, on ne va pas idéaliser ça ou mettre ça dans le registre des allégories et trouver une explication symbolique à ça. La colère de l'agneau, c'est la colère de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. Et la période de la grande tribulation qui sera inaugurée par justement l'information sur la colère de l'agneau, et c'est une période douloureuse que l'humanité va connaître. Donc on ne peut pas spiritualiser ça, on ne peut pas traiter ça comme de la pure allégorie. Donc l'interprétation idéaliste fait courir beaucoup de risques à ceux qui l'adoptent parce que ils exagèrent les symboles et ils finissent par passer à côté des vérités et du message et des leçons que le Seigneur veut transmettre à son Église à travers le livre de l'Apocalypse. Ouais. Par exemple, quand la Bible parle de la nouvelle Jérusalem, c'est pas un symbole, c'est une réalité que nous allons vivre. Quand la Bible parle des sceaux et des trompettes, ce n'est pas des symboles, ce ne sont pas des symboles, c'est de la réalité. Voilà. Donc l'interprétation, la méthode idéaliste est une méthode à proscrire. Parce que même si par endroit, on peut reconnaître qu'il y a des symboles dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, quand on parle des quatre cavaliers, les quatre cavaliers symbolisent certaines choses. On parlera de ça. Mais on ne doit pas dire que tout le livre, tout ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, tout est symbole. Non. Si on s'amuse à faire ça, on sort carrément de la pensée de Dieu. Voilà. Donc, il faut se garder d'adopter cette posture idéaliste. La deuxième méthode d'interprétation connue dans l'histoire, c'est la méthode prétériste. La méthode prétériste. Alors, cette méthode voit dans le livre de l'Apocalypse des événements qui sont antérieurs au règne de l'empereur Constantin. En fait, c'est une méthode qui ramène le livre de l'Apocalypse, non pas à un livre prophétique, mais plutôt à un livre historique. À un livre historique. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que les tenants de cette méthode disent que le livre de l'Apocalypse raconte l'histoire de l'Église durant les trois premiers siècles. L'histoire de l'Église durant les trois premiers siècles, c'est-à-dire que l'histoire de l'Église avant l'empereur Constantin. Vous comprendrez ce qui a pu les pousser à adopter une telle approche, une telle méthode d'interprétation. Mais, croyez-moi, cette méthode n'est plus en vigueur. Personne n'a recours à cette méthode. Parce que le temps qui passe a révélé les limites de cette méthode. Et je profite pour ouvrir une parenthèse. En réalité, toute interprétation exacte de la parole de Dieu
survit au temps qui passe. Quand une interprétation est cohérente, quand elle est pertinente, quand elle est conforme à la pensée de Dieu, peu importe le temps qui passe, l'interprétation demeure. L'interprétation demeure. Et c'est le genre d'interprétation que nous devrons adopter. Parce que la parole de Dieu, elle est unique. La parole de Dieu ne change pas. Vous voyez, la parole de Dieu ne change pas. On ne peut pas dire que la Bible dit telle vérité au 21e siècle, alors qu'au 19e siècle, on a déclaré quelque chose de totalement contraire. De totalement contraire. Et la Bible n'a pas changé. Les hommes changent, les générations évoluent, la civilisation évolue, mais la parole de Dieu demeure la même. Et hier, comme elle était interprétée, c'est comme ça qu'elle doit être interprétée aujourd'hui. C'est comme ça qu'elle doit être interprétée aujourd'hui. Dans l'application qu'on fait de la parole de Dieu, on peut constater des différentes façons de faire parce que nous ne vivons pas aux mêmes époques, mais ce n'est pas parce que les époques ont changé que nous devrons changer, n'est-ce pas, la vérité telle qu'elle nous est révélée dans la parole de Dieu. La troisième méthode à laquelle les gens ont recouru pour étudier, analyser et essayer de comprendre le livre de l'Apocalypse, c'est la méthode présentiste. La méthode présentiste, contrairement à la méthode prétériste, la méthode présentiste est une méthode qui qui adapte, n'est-ce pas, le livre de l'Apocalypse aux circonstances contemporaines. Donc, rien que par la définition de cette méthode, vous comprenez que la méthode elle-même évolue avec l'évolution des circonstances. Parce qu'au fond, cette méthode vise à adapter le contenu du message du livre de l'Apocalypse aux circonstances contemporaines. Donc, si les événements contemporains changent, le message aussi, leur interprétation change, leur message change. Ça, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas normal. Vous voyez, ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, suivez très bien, cette méthode présentiste a conduit à beaucoup d'extrapolations, à beaucoup de polémiques et à beaucoup de fantaisies. C'est ainsi que, à l'époque, il y a des gens comme Hitler. Hitler était perçu comme l'Antichrist. Donc, ça a amené les témoins de Jéhovah à penser que la fin du monde est arrivée. Parce que ils ont adapté, ils se sont fait piéger par cette méthode présentiste. Vous voyez. Et puis, tout récemment, il y a des hommes de Dieu qui, en dépit de leur sincérité, ont enseigné que Gorbatchev était l'antéchrist parce que c'est par lui que le rideau est tombé, le mur de Berlin est tombé, que l'Union soviétique s'est effritée à la faveur de la Russie actuelle et puis enfin, c'est à travers Gorbatchev que la guerre froide a pris fin. Donc pour eux, Gorbatchev était justement l'antéchrist, celui par qui la paix viendrait dans le monde. Vous voyez, ça c'est quelques exemples d'interprétation présentiste. Cette méthode présentiste ne prend pas en compte les fondamentaux de l'herméneutique, ne prend pas en compte les fondamentaux de l'herméneutique appliquée au livre de l'Apocalypse. Et ça, c'est de la fantaisie. C'est de la fantaisie. Et on ne doit pas s'inscrire en faveur de telles méthodes qui ne peuvent que nous conduire dans des confusions, voire des frustrations. La quatrième méthode, mais écoutez-moi très bien,
Ce n'est pas parce que un pasteur est, on va dire quoi, conditionné dans son interprétation du livre de l'Apocalypse par une de ses méthodes que le pasteur est païen. Non, 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 non. C'est pas ça. Vous savez, par exemple, la méthode présentiste avait été adoptée par de grands noms comme les Wycliffe, comme les Martin Luther, le réformateur. Martin Luther avait adopté cette méthode présentiste. Et même le célèbre Isaac Newton, Sir Isaac Newton, qui était un chrétien réputé, il avait aussi adopté ça. En fait, et même aujourd'hui au 21e siècle, vous voyez, on attribue à certaines personnes le manteau de l'antéchrist. Parce qu'on se dit que non, ça, c'est l'antéchrist. Vu leur façon de faire, oui, quelqu'un peut refléter l'antéchrist, mais l'antéchrist lui-même n'est pas encore arrivé. Il ne s'est pas encore manifesté. Vous voyez, quelle que soit l'évolution de la société, peu importe comment les choses évoluent, nous ne devrons pas faire évoluer l'interprétation de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit rester cohérente, elle doit rester pertinente. Elle doit résister au temps qui passe. Ça, c'est très important. La quatrième méthode d'interprétation, donc la première méthode d'interprétation, c'est la méthode idéaliste. La deuxième, c'est la méthode prétériste. La troisième, la méthode présentiste. Et puis la quatrième méthode, c'est la méthode futuriste. La méthode futuriste, c'est la position de votre serviteur et c'est la position de beaucoup d'hommes de Dieu. D'ailleurs, quand vous allez dans les librairies chrétiennes, la plupart des ouvrages sont écrits sont écrites dans ce registre. C'est-à-dire, l'approche développée dans la plupart des ouvrages de la littérature chrétienne relative à l'eschatologie ou aux choses de la fin, ces ouvrages-là s'inspirent de la méthode futuriste que je m'apprête à définir. C'est une méthode qui voit dans le livre de l'Apocalypse un livre de prophétie, un livre de révélation, un livre de dévoilement. Et tous ceux qui, comme moi, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce qu'il y a de grands noms comme les Scofield, comme les Darby, comme les Tim LaHaye et bien d'autres, comme Clarence, comme Austin Sparks et comme beaucoup d'autres personnes, de grands noms dans l'histoire de l'Église, ont adopté la méthode futuriste. Et cette méthode voit donc dans le livre de l'Apocalypse un livre de révélation, un livre de prophétie et un livre de dévoilement. Donc, pour ceux qui adoptent, la méthode futuriste, le livre de l'Apocalypse éclaire le présent, ça nous aide à comprendre le présent et l'avenir à travers des révélations précises. Vous voyez ? Et sur la toile de fond de cet avenir, qui est programmé. Donc, le présent est étudié sur la toile de fond d'un avenir lui-même aussi clarifié et programmé. Tout cela dans le livre de l'Apocalypse. Ainsi donc, l'événement actuel ou les événements actuels, ou si vous voulez, l'actualité pour nous qui adoptons la méthode futuriste, l'actualité, n'est-ce pas, prend un relief plus saisissant encore, parce que nous étudions
nous observons l'actualité à la lumière de la prophétie et des choses à venir, telles que révélées dans le livre de l'Apocalypse. Cette approche est absolument importante. Vous savez, le Seigneur Jésus disait à l'époque aux pharisiens, il leur disait, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est important. Les pharisiens sondaient les Écritures, mais ils le faisaient mal, au point qu'ils ont été en permanence en conflit avec le Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, les Écritures qu'ils sondaient parlaient de Jésus, parlaient de la vie éternelle, parlaient du Messie, du Fils de Dieu, mais ils n'étaient pas capables de voir le Seigneur Jésus à travers leur étude de la Bible, parce qu'ils procédaient mal. En fait, cette question d'interprétation, elle est importante. C'est pour cette raison, je voudrais aussi qu'on voie les trois différentes interprétations autour du millénium. Les trois différentes interprétations autour du millénium. Donc, il y a ce qu'on appelle la millénarisme, il y a le pré-millénarisme, donc la millénarisme, le pré-millénarisme, et puis il y a le post-millénarisme. Ne vous laissez pas embrouiller par ces différents mots, c'est des doctrines, si vous voulez, c'est des courants, c'est des écoles de pensée, c'est des écoles de pensée, des écoles d'analyse de l'eschatologie biblique. Qu'est-ce que la millénarisme? Qu'est-ce que dans amillénarisme, vous entendez A et puis millénarisme. Millénarisme, c'est tout ce qui concerne le millénium. Maintenant, le A, vous savez, le A, c'est un préfixe qui est privatif. Donc, les amillénaristes sont des gens dont la doctrine les pousse à refuser, à rejeter l'éventualité d'un règne de 1000 ans du Seigneur Jésus sur la terre. Et en fait, ils ne croient pas en ça. Ils ne croient pas en ça. Ils enseignent, ils rejettent l'enseignement du règne messianique qui va s'étendre sur 1000 ans. Ce que la Bible appelle le millénium, c'est tellement clair dans la Bible. C'est incontestable. La Bible parle de ça avec clarté. Mais eux, ils ne croient pas en ça. Pourquoi? Parce qu'ils soutiennent que les 1000 ans mentionnés dans le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse constituent un nombre symbolique. Donc, vous voyez, et ça nous ramène à la méthode idéaliste, vous voyez, qui voit dans tout ce qui est contenu dans le livre de l'Apocalypse un ensemble de symboles, un ensemble d'allégories. Donc les amillénaristes voient dans la mention des 1000 ans un chiffre symbolique. C'est-à-dire que pour eux, ce chiffre-là ne doit pas être pris littéralement. Pour eux, c'est pas
Le millénium n'est pas une réalité qu'on va vivre, mais plutôt un symbole, une allusion allégorique. Comprenez donc que pour eux, ils estiment que ce millénium, qui est un symbole, a déjà commencé. Donc, a déjà commencé il y a très longtemps, et ce, depuis la fondation de l'Église. Donc, pour eux, on est dans le millénium comme ça. C'est pour ça que l'Église peut annoncer l'Évangile et que la fin de ce millénium, qui pour eux est symbolique, la fin de ce millénium aura lieu lors du retour de Jésus-Christ et coïncidera aussi avec le jugement, le dernier jugement, le jugement du grand trône blanc et l'introduction de l'humanité sauvée dans l'éternité avec Dieu. Donc, vous comprenez que une telle approche ne peut que conduire à la confusion et à l'erreur, à la confusion et à l'erreur. C'est d'autant plus que la Bible est décrite avec des termes clairs, des termes précis et des termes qu'on ne saurait contester ou attribuer à de l'allégorie. La Bible utilise des termes donc pour parler du millénium, pour parler du règne messianique de Jésus et de ce qui va se dérouler, de ce qui va se dérouler durant le règne de mille ans. Et puis, ces choses qui sont prévues se dérouler durant le règne de mille ans n'ont pas encore existé. N'ont pas encore existé. Donc, on ne peut pas soutenir que le millénium est déjà vécu ou est en cours. C'est vraiment de la mauvaise foi. Et puis, à la suite de ça, il y a les pré-millénaristes. Les pré-millénaristes. Les pré-millénaristes, donc, excusez-moi, les pré-millénaristes, donc, ceux qui croient que avant, n'est-ce pas, que Jésus ne revienne, avant que Jésus, on va dire quoi? Avant que l'éternité ne se manifeste, il y aura le règne de mille ans. Voilà. Il y aura le règne de mille ans. Le règne de mille ans. Ça dit que le retour du Seigneur va précéder le règne de mille ans. Donc c'est suite à ce retour que Jésus va établir son règne. Et ça c'est la position la plus partagée dans le milieu évangélique sérieux, dans le milieu évangélique sérieux, où l'on considère la Bible comme la parole de Dieu. Dans ces milieux-là, la position, l'approche pré-millénariste est l'approche qui a été adoptée. C'est-à-dire, simplement expliqué, c'est ceux et celles qui croient que Jésus reviendra sur la terre avant la manifestation de son règne messianique. Et puis, il y a le post-millénariste. Le post-millénarisme. Les post-millénaristes ces gens, eux, ils croient plutôt que Jésus ne reviendra sur terre qu'après le règne de mille ans. Vous voyez la confusion. Pour eux, ils considèrent que le retour de Jésus sur terre interviendra après une période de mille ans de bonheur et de félicité. Dans l'entretemps, le mal aura été enrayé, puisque Satan aura été lié pour mille ans, et l'Évangile se propagera
sera propagée dans le monde entier sans rencontrer d'opposition, Satan étant déjà lié. Ça, c'est une autre position. Et cette position-là, elle paraît correcte, mais elle ne l'est pas. Parce que la Bible dit clairement qu'avant le règne de 1000 ans, Jésus reviendra sur la terre. Bon, maintenant, regardez. Quand on pense que, si on tient compte de ce que les post-millénaristes disent, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand Jésus va, les 1000 ans vont avoir lieu et après les 1000 ans, Jésus reviendra. Mais durant les 1000 ans, qui va régner? Comment les choses vont se passer durant les 1000 ans? Voyez? Or, c'est parce que le Seigneur Jésus sera aux commandes. Le Seigneur Jésus lui-même sera le roi des rois durant les 1000 ans que le monde connaîtra la paix. Que durant les 1000 ans, il y aura la paix. Il y aura cette félicité. Voyez? Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Avant de conclure, je voudrais avancer un peu dans la prochaine étude pour conclure l'étude de ce soir. Après ce que nous venons de voir la semaine passée et maintenant, nous allons aborder de façon effective l'histoire prophétique de l'Église de Jésus-Christ telle que révélée à travers les 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie. Vous remarquerez un certain nombre de choses. Vous remarquerez que durant les études que nous allons faire de ces 7 lettres, nous prendrons en compte les quatre niveaux d'application. Mais l'accent sera mis sur le dernier niveau d'application, à savoir l'application historico-prophétique, qui nous aidera à apprécier le déroulé chronologique des événements dans le temps de l'histoire de l'Église avant son enlèvement. De l'histoire de l'Église avant son enlèvement. Et la première Église qui a été choisie parmi les 7 églises représentatives, c'est l'Église d'Éphèse. C'est l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, donc je dis ça pour introduire l'étude prochaine. L'église d'Éphèse a été choisie comme point de départ de l'histoire de l'église. À raison. Premièrement, cette église, quand vous lisez les épîtres de Paul adressées aux différentes églises, vous remarquez que la lettre adressée à l'église d'Éphèse a une connotation particulière. C'est la lettre la plus spirituelle. La plus spirituelle. Il y a une intensité spirituelle dans cette lettre. Et donc, l'église d'Éphèse, à raison, a été choisie comme le point de départ de l'histoire de l'église prophétique. Vous savez, Paul a passé du temps, 3 ans, pour former les disciples à Éphèse, selon ce que la parole de Dieu nous dit. Et puis, l'apôtre Jean a été pasteur de l'église d'Éphèse. Il a conduit, il a exercé pendant un bon moment son ministère d'apôtre, de pasteur
au sein de l'église d'Éphèse. Et vous savez aussi que Timothée, hein, Timothée avait été établi lui aussi sur l'église d'Éphèse. D'ailleurs, on pense que la mère de Jésus, donc Marie, aurait passé ses derniers jours à Éphèse, n'est-ce pas, dans la compagnie de l'apôtre Jean, qui y avait exercé son ministère. Par ailleurs, il est bon que vous et moi nous comprenions que chaque chose que Dieu fait, il le fait à dessein. Chaque chose que Dieu fait, il fait ça à dessein. En choisissant l'église d'Éphèse comme point de départ de l'histoire prophétique de l'église de Jésus-Christ, Dieu ne l'a pas fait au hasard. La preuve, quand nous prenons Actes chapitre 17, Actes chapitre 17, il est dit, Actes chapitre 17, à partir du verset 5, mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux. Non, c'est pas le texte qui m'intéresse, c'est Actes chapitre 20 plutôt. Actes chapitre 20, désolé. Actes chapitre 20. Et je vais terminer sur ça. C'est juste une mise en bouche pour l'étude prochaine, puisque l'étude prochaine va nous introduire dans l'analyse de l'histoire prophétique de l'Église. Et nous y allons découvrir énormément de choses qui vont nous édifier et qui vont nous aider à comprendre l'agenda de Dieu. Donc, ce texte, Actes chapitre 20, à partir du verset 17, je lis. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse. Donc, je veux juste vous donner quelques informations sur les raisons pour lesquelles Éphèse est citée comme la première église représentative de la première période, comme nous le verrons. La première période de l'histoire de l'Église, bien évidemment, c'est la période apostolique. Donc, l'Église d'Éphèse est citée comme étant la période apostolique, donc l'Église apostolique. Et donc, je suis en train de vous expliquer que cette Église se démarque des autres, donc de l'Église de Rome, de l'église de Corinthe, de l'église de Thessalonique, non pas parce que ces églises ne sont pas, n'ont pas été bien fondées ou n'ont pas été des églises spirituelles, non. Mais je veux dire, l'église d'Éphèse avait une particularité. Regardez, en Actes chapitre 17, chapitre 20, au verset 17, Paul dit, cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, » Voyez donc, Paul est allé en Asie, et comprenez, en Asie dont il parle là, l'Asie dont il parle, c'est la partie de l'Asie qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Donc, Paul était en Turquie. « Je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez, voici ce qui est dit au sujet de l'église d'Éphèse, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Seulement, ne sachant pas ce qui m'y arrivera,
Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi, écoutez, écoutez très bien, ce qui donne, ce qui confère à l'église d'Éphèse son statut d'église apostolique, c'est ça. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau pour lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Par son propre sang. Voici un peu une idée de l'Église d'Éphèse. C'était une Église qui a bénéficié plus qu'aucune autre Église de l'investissement de l'apôtre Paul. Les propos que Paul tient et adresse à l'église d'Éphèse, tel que nous venons de le dire, il ne les a adressés à aucune autre église. Paul s'est investi comme jamais, n'est-ce pas, dans la vie des chrétiens d'Éphèse. Et vous savez que après 3 ans de ministère, quand les disciples formés par Paul se sont mis en action, les habitants d'Éphèse ont tremblé. Et vous connaissez l'histoire, Diane d'Éphèse a été renversée. Il y a eu un bouleversement dans l'univers l'univers spirituel d'Éphèse. Tout cela, c'est juste pour nous préparer pour la prochaine étude. Je voudrais donc dire que Dieu vous bénisse. Et puis, nous sommes armés, nous sommes outillés, nous sommes préparés pour la suite. Et la suite sera instructive parce que nous aborderons de façon effective à travers l'église d'Éphèse, à travers l'église de Smyrne, à travers l'église de Pergame, etc., etc., jusqu'à l'église de Laodicée, nous aborderons l'histoire prophétique de l'église et nous comprendrons l'agenda de Dieu, nous saurons en quel temps nous sommes et à quoi nous devrons nous attendre très très bientôt. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse et merci d'être fidèle à ces séances d'études de la parole de Dieu. Merci à tous ceux qui nous ont suivis au-delà de la France depuis des contrées lointaines. Que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas à partager ces choses parce que nous allons au-devant des révélations qui vont nous aider, qui vont participer à notre stabilité dans notre marche avec le Seigneur en ces temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. J'ai trouvé ta grâce.
Tout.